Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer mes achats récents qui datent de novembre, max octobre jusqu'à disons maintenant. Parce que j'ai acheté pas mal de choses que je porte vraiment dans mon cœur en fait. Donc ouais, je vais pas beaucoup tarder. Let's get started with the video. Je crois que je vais commencer avec les chaussures. Je commence avec mes Yeezys. Coup de cœur. Oui, de cœur. Non, franchement, les gens qui... Bref, tout sont les gens qui parlent. T'es pas avec nous, mais toi à côté, vraiment. Franchement, tu peux mettre ça avec n'importe quoi et t'es stylé. Voilà. Mon prochain achat est, of course, mes Air Force. Très basique, mais très essentiel aussi. Mes Air Force sont devenus des Air faibles. Enfin, ma paire précédente. Donc, j'ai vraiment dû un peu upgrade parce que c'est pas possible. Genre c'est une paire à vraiment avoir, genre, I mean, et dans cet état là, pas dans, je vais même pas vous montrer l'état, non en vrai de vrai ça va encore, mais non en fait, elles doivent être blanches en fait, comme ça. En fait les Air Force ça se rachète à chaque fois, il n'y a pas un nom, je vais laver, non, parce qu'en fait elles deviennent jaunes, qui veut des Air Force jaunes? Bref, après on arrive chez mes sandales, pour moi c'est l'état, non, I'm sorry, j'arrive pas à marcher avec, enfin c'est juste moi. J'arrive pas à marcher avec des talons. C'est la honte. C'est vraiment honteux. Faut savoir, j'ai jamais eu le temps d'apprendre en vrai de vrai. J'ai jamais été quelqu'un qui part trop dans des fêtes ou dans des trucs comme ça. Même si je partais dans des mariages, limite je mettais des chaussures plates. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Et je sais pas si je suis la seule. Mais j'arrive pas à marcher avec des talons. Du coup, vous allez jamais me voir avec des talons comme à ça. Jamais. Limite, ça déjà c'est trop haut pour moi. Vous imaginez en fait, c'est trop haut. Ça, c'est trop haut pour moi. Bref, honteux. Mais ça vient de la marque, je sais pas comment prononcer en vrai de vrai. Kuko, je sais pas trop. Et bref, c'est une marque que j'ai découverte il y a pas longtemps sur Shein. Je sais pas si ils sont en collaboration ou je sais pas quoi. C'est des pépites en vrai de vrai. De la même marque, j'ai acheté ces bottes. J'avais que des bottes qui m'arrivent jusqu'à, disons, là. Et elles sont mignonnes, mais j'avais vraiment besoin de ce genre de bottes. Ça, tu peux mettre ça avec genre une jupe ou une robe courte et ça fait pas trop too extra, je sais pas si vous voyez. Ou genre même avec un jean, mais un jean serré. J'ai plus de jeans serrés, enfin des skinny, j'en ai plus. Donc spécialement pour ces bottes, je vais acheter un skinny jean. Oh my gosh, je me demande vraiment comment ça va m'aller. J'ai enregistré beaucoup d'outfits sur Pinterest. Et j'ai vu beaucoup d'outfits en fait qui vont avec des skinny et avec ces genres de bottes. Donc je me suis dit non, juste pour ça là, je vais m'acheter un skinny. Je sais pas si j'ai brûlé mes skinny ou si j'ai fait quoi avec, mais j'ai plus de skinny. Et moi et ma mère on fait pas la même taille, du coup même avec ma soeur on fait pas la même taille. Je suis unique dans cette maison. Du coup ouais, j'ai pas le choix, je dois m'acheter un skinny parce que non. C'est bien beau de mettre ça avec une jupe ou avec une robe, mais les outfits que j'ai enregistrés là, non, il me faut un skinny. Bref, du coup, c'était ça les chaussures. Maintenant, enfin, je voulais dire on passe au sac, mais j'ai qu'un sac, enfin un nouveau sac. Donc récemment, ma mère est partie en Italie et elle m'a acheté ce sac adoré. Oh merde, j'ai oublié de couper ça. Avant de recevoir ce sac, j'ai dû me promener avec un sac là de Chine. Et les tirettes s'est déjà cassé. Eh non, c'était la merde. Un bon sac de Michael Kors qui tient 2-3 ans, c'est parfait. Le sac là de Chine, je l'ai acheté en septembre. Et si ça a commencé déjà à se détacher, les tirettes s'est cassé, à l'intérieur c'est devenu bizarre. Il me fallait absolument un sac de qualité parce que non. Le prochain achat est celui sort pour les Baby Air. En tout cas, c'est vraiment trop utile. Non, depuis je voyais ça sur TikTok, sur Insta, sur tout ça. J'ai vu ça sur Amazon et tout, mais c'était assez cher. Maintenant, un jour, j'étais sur Shein. En fait, j'avais dit que j'allais arrêter avec Shein, mais Shein est juste de plug. J'en peux doser. Je suis en train de me balader sur Shein et j'ai vu ça. Je fais maman. C'est quand que vous allez arrêter, Shein? Il y a même des locks. Même des mèches, il y a tout sur Shein, mes Shein, vraiment. Il y a même des pépés. Et je sais plus exactement combien elle m'a coûté, mais pas cher. Moins de 15 euros.
max 15 euros, je crois. Elle marche très bien, en tout cas, je l'ai déjà utilisée. Bref, les gars, là, on passe aux vêtements. Donc, pour commencer, j'ai acheté ce cargo beige qui vient de chez Brandit, mais je l'ai commandé sur Zalando. J'aime trop les cargos de qualité. Parce que j'ai... Non, les détails. Ça, c'est un cargo de qualité. Parce que les cargos de chez Shein et tout, it's really not giving. C'est trop léger. Ça, c'est bien costaud. Il y a le logo et tout. Ça me fait penser à la guerre. Je sais pas pourquoi. En bas, il y a aussi des lacets. Ou je sais pas comment on appelle ça. Mais bon, vous avez capté. D'ailleurs, je l'ai aussi déjà en gris. Genre un peu foncé. Comme ça, vous le savez déjà. Je veux vraiment avoir une collection. Et du coup, je l'ai aussi pris en militaire. Encore une fois, une qualité d'ouf. Il y a même le logo, comme d'hab. Mais si c'est pas très visible, mais il est juste là. Il est bien costaud, j'aime trop. Ils m'ont coûté combien? Environ 40-50 euros. Ouais, par cargo, pas ensemble. Et j'avoue que c'est plus cher. Mais non, en vrai, pour la qualité, je dis ça va. Toujours s'il est pimpant, j'ai pris ce... Enfin, je sais pas comment... C'est pas un cargo. Il vient de chez Chine. Je suis sûre que vous avez déjà vu passer ça sur Insta et tout. Fameux pantalon. En tout cas, il flingue. Il flingue. Trop stylé. Just giving. Il y a aussi quelques poches. Les prix, vraiment, je m'en rappelle plus. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Mais non, j'ai vu des bêtes d'outfits sur Pinterest. Donc, je me suis dit... Par contre, ça, je l'ai acheté parce que les pantalons sur Chine, j'ai aussi stoppé. La qualité, c'est pas trop ça. Non, j'ai acheté un ensemble incroyable pour les fêtes. Oh non, j'ai menti, c'est pas un ensemble. J'ai acheté ça à part, en fait. Ça, c'est juste un haut. Et puis, j'ai acheté cette jupe avec... J'ai essayé, je sais pas si j'aime bien, je sais pas si je l'avais même bien mise. Mais, I don't know. Ça vient du collection Shein Bay. Eux aussi, ils ont des pépites des fois. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est pas un ensemble, mais quand j'ai acheté ça, en fait, je me suis dit que je les mettrais ensemble. Toujours pour les fêtes, vu que mes ongles... D'ailleurs, je vous ai même pas montré mes ongles. Oui, sec. Oh non, it's given. Vraiment. My nail plug. Rien à dire sur elle. On peut être dans le thème de mes ongles. J'ai pris cette robe verte. Je crois que je vais la mettre pour Noël. Et l'ensemble, du coup, pour le nouvel an. Ouais, parce que je trouve que ça fait plus un peu Noël. Et l'ensemble fait plus nouvel an. Je sais pas si vous voyez. Je sais que comme ça, vous pouvez pas trop voir à quoi ça ressemble. Mais je vous mettrai juste une photo là ou une vidéo là. Je l'aime trop. Genre, j'avais pas de chaussures qui passaient avec. Du coup, je crois que je vais les mettre avec mes Air Force. Au début, je voulais acheter genre des Dunk bleus. Vous voyez ce bleu, exactement, ce bleu. Mais, enfin, ça dépend. Si entre-temps, je trouve d'autres outfits à mettre, ben tant mieux. Si vraiment je veux mettre ce haut, ben je mettrai juste avec mes Air Force. Et en dernier, j'ai pris deux hauts. C'est en fait des dupes de Skims. En vrai, de vrai, je suis partie sur le site de Skims. J'ai fait ça, là, les deux secondes, des prix incroyables. Un jour, je veux me permettre d'acheter un Skims. Mais là, c'est les fêtes. Je pouvais pas me permettre d'acheter un Skims. Pas encore. Du coup, j'ai vu ça sur Chine. Je me suis dit, bon. En attendant, on va faire avec. Donc ça, c'est la couleur kaki, je crois. Je suis pas sûre. Ouais, je crois kaki. C'est du stretch. Puis même en mocha. Ouais, je crois que ça, c'est mocha. Mais ça, j'ai pris ça en L. Je sais pas pourquoi. Bref. It's given swimsuits. Ouais. Vous voyez les maillots de bain et tout, ben, it's the same structure. Par contre, ça tâche vite. Et quand ça tâche vite, ben, ça part pas facilement. Dernier. Mon écharpe Fendi.
Ma mère, elle est aussi venue avec, donc ça vient d'Italie. J'aimerais aussi vous montrer mon parfum du moment, des Versace Cristal Noir. Si vous cherchez un parfum pour un peu l'hiver, pour... je vous conseille vraiment ce parfum, 10 sur 10. Je suis vraiment amoureuse de ce parfum, il est juste incroyable. Donc foncez, pas trop cher non plus. Non, je crois, non, il est pas trop cher. Foncez. Donc ouais les gars, c'était ça un peu mes achats récents. J'ai encore prévu d'acheter plein de choses comme d'hab. Vu que je suis de retour, restez juste à l'affût. Ouais, donc en vrai de vrai, c'était ça la vidéo. Je savais que la vidéo, elle allait pas être très longue. Parce que j'ai pas assez grand chose à dire. Si je vous montre un peu mes achats récents. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour être au courant de chaque vidéo que je posterai dans le futur. Je sais pas pour vous, mais l'année 2023, je sais pas si je l'ai déjà dit à la fin de l'année 2021 pour 2022, mais 2023, je sais pas, j'ai un sentiment vraiment positif pour cette année. Cette année, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup appris cette année. Je sais comment gérer des choses différemment. J'ai vraiment essayé de pratiquer beaucoup de choses que j'ai appris en 2023 pour en fait grandir mentalement, physiquement, tout ça, tout ça. De toute façon, je vais vous amener en 2023, bien sûr. Je vous avoue que j'ai voulu arrêter YouTube, mais je me suis dit c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours voulu faire. Et pourquoi arrêter maintenant? Parce que l'école me préoccupe, le travail, tout ça? Ben non. Quand je fais des vidéos YouTube, je me sens bien. Donc je vois pas pourquoi arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas trop parler de moi dans cette vidéo. Si vous voulez un live update ou je sais pas, un chit-chat, un truc dans ce genre, commentez. Et je vous le filmerai avec plaisir, bien sûr. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour regarder cette vidéo. Et à la prochaine!